Jean-Pierre, votre deuxième représentant, c'est Pacha d'Argent. Lui, on le connaît, il est extrêmement régulier, que ce soit dans les handicaps et dans les réclamés, bien évidemment. Néanmoins, dans les handicaps, cet hiver, il avait montré qu'il était capable de se distinguer à une valeur peut-être un peu plus basse. Voilà, il a gagné un handicap entre-temps, donc il est encore plus haut que cet hiver. Mais il a l'air tellement bien en ce moment que on a eu envie, surtout son propriétaire, de retenter une fois dans un quintet. Parce que la dernière fois notamment, il fait quand même une belle valeur dans un réclamé où il y avait des chevaux intéressants, des valeurs aussi qui correspondent à des quintets. Donc, voilà, on sait que dans les réclamés, il les enfile comme des perles, mais là, un handicap, ce sera bien sûr plus dur, mais il est tellement en belle forme que sait-on jamais. Lui, il serait avantagé par une piste assouplie, comme en dernier lieu à Vichy d'ailleurs. Il va dans tous les terrains, mais il est encore meilleur en terrain souple. Il a des petites douleurs, il est un peu souffreteux, donc sur des pistes fermes, il est un peu moins à l'aise que sur des pistes souples. Voilà. Contrairement à Matizard, qui lui préfère le bon terrain, lui préfère une piste assouplie. Donc si c'était le cas, sur 2004 aussi, qui est mieux que 2000 mètres comme la dernière fois. Bon, et ça l'a pas empêché de s'imposer, mais on le voyait un peu à la traîne en début de parcours. Il préfère avoir le temps de se mettre en jambe, et pour cela, 2004, ça lui convient mieux. Donc la distance est parfaite. S'il est amené à s'assouplir, on peut espérer devoir prendre une place sur sa forme. Oui, c'est vrai que lui, on mise finalement tout sur sa bonne forme. Ouais, voilà. C'est quand même un bon cheval qui a eu des bonnes pertes par le passé. Donc, et après, il a connu des problèmes de santé, mais là, il est stable dans sa locomotion, dans sa forme. Donc, il nous rappelle que c'était un bon cheval qui a fait l'arrivée de Dizod. Et bon, les handicaps quintés, c'est un compromis entre les beaux restes qui nous montrent dans les réclamés. Et puis des courses de niveau plus élevé auxquelles il avait eu l'occasion de participer.